Bien, ce soir, nous faisons comme chaque année la traditionnelle soirée des vœux. Il est important de pouvoir dialoguer et passer un moment avec l'ensemble de nos invités, les Lavelanéciens, pour leur montrer un petit peu ce qui a été fait, ce qui va se faire et ce qui est en cours. Voilà, donc c'est aussi l'occasion pour tout le monde de pouvoir se rencontrer, se souhaiter avant la fin du mois une bonne et heureuse année, pleine de paix, de partage, de solidarité, et faire en sorte qu'aujourd'hui, ce territoire qui reprend une image dynamique et très attractive puisse demain être porté comme un territoire où il y a un bien-être important et intéressant. Voilà notre objectif aujourd'hui, c'est de montrer la qualité de vie sur ce territoire. Et aujourd'hui, donc, nous pourrons voir l'ensemble des chantiers qui ont commencé, puisque nous allons présenter les travaux de 2018 qui ont bien démarré. Et donc, cet objectif que nous sommes fixés, l'année 2050, même si beaucoup de choses vont se réaliser dans les années qui arrivent. Et voilà, et donc, c'était aussi pour souhaiter une bonne année à tout le monde, l'Avelanéciens, aux gens du Pays d'Olmes, et aussi aux gens du Pays des Pyrénées-Cratères, à l'Ariège, et à tous ceux qui auront le plaisir de regarder ce reportage. Bonne année à tous. Que nous pouvons souhaiter pour l'année 2018 à tous les Lavelanéciens et Lavelanéciennes une bonne et heureuse année 2018, santé, amour et bonheur. Je remercie la ville de Lavelanéens, enfin son maire, de m'inviter chaque année ses meilleurs vœux qu'il offre à tout le monde. J'aimerais bien être l'Avelanéciens parce qu'il y a de quoi être fier quand on entend ce que dit votre maire et ce qu'il veut faire de sa vie. Les élus de l'Avelanéens vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur. Bonne année 2018. Je voulais juste souhaiter une bonne année à toutes les Lavelanéciens, les Lavelanéciennes dans notre premier temps, et puis tous les Ariégeois et toutes les Ariégeois aussi pour la nouvelle année 2018, qu'elle soit juste et équitable pour tout le monde, voilà. Donc, bonne année à tous. Alors, je vous souhaite une excellente année pour, bien évidemment, pour l'Avelanéens, pour son maire. Vous avez la chance d'avoir un maire extraordinaire, un maire très dynamique, un conseil municipal qui suit. Et moi, je me réjouis chaque fois quand je passe à l'Avelanéens de voir de nouvelles réalisations. Et je crois comprendre qu'il va y en avoir d'autres en 2018. En tout cas, une excellente année à vous tous. À tout l'Avelanéens, à tout le Pays d'Olmes, je souhaite une excellente année. Cette soirée a été une soirée merveilleusement réussie où a débuté la reconstruction et le début de la nouvelle ère de l'Avelanéens. Bonne année, santé, bonheur, prospérité.